Bienvenue dans votre émission. Wami Ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, une réponse relationnelle. Le texte de Romains 12, verset 1 dit « Frère, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même un sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. » Ainsi, Paul a formulé la tempérance dans le contexte d'une réponse relationnelle et non dans un contexte transactionnel. Le texte utilise le mot « puisque », impliquant une déclaration finale. En d'autres termes, Paul a choisi de consacrer tout le début de son épître aux Romains à faire ressortir la bonté de Dieu dans le salut par grâce, au moyen de la foi en Jésus-Christ seul. Le salut est gratuit et par conséquent, on ne peut le gagner. Ensuite, après avoir passé l'essentiel de l'épître aux Romains à exposer la bonté de Dieu, il ajoute « Puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant. Ainsi, nous donnons notre corps à Dieu en réponse à la bonté de Dieu. » La tempérance n'est pas un moyen de salut, mais plutôt une réponse du cœur qui a été touché par la bonté de Dieu. Nous devons donner notre corps à Dieu en tant que sacrifice vivant réservé à Dieu. La tempérance est le moyen par lequel nous répondons à l'amour de Dieu. Paul termine ensuite le verset par « C'est là le véritable culte que vous lui devez. À la lumière de la bonté de Dieu, il est raisonnable, dans la version second 21, de donner notre corps à Dieu. » La tempérance ne nous gagne pas le salut. Elle est plutôt notre réponse raisonnable au salut. Remue-ménage. Que vous dit Jésus à travers Daniel chapitre 1? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Prière. Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue-ménage.